Ok. T'es fait charmante, ok. Ok, explorer les profondeurs. Allez, hop, tac. Une figure humanoïde. Qui lève un bras au-dessus de la tête, ouais, c'est bien l'image d'une personne, ça pourrait être une preuve que des gens vivaient autrefois dans les profondeurs de la Terre, ouais, effectivement. Ah ouais. L'appareil photo, bah ouais. Ok. Ok, merci. Des gens dans les profondeurs. Ok, donc on va descendre. On va descendre donc sur la carte. C'est ici, à bas. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur les sanctuaires, on y est passé. C'est parti. On va faire un peu toutes ces introductions, aux différentes choses qui sont sur la carte de façon à ne pas partir en. En autonome. Ok, allez. Ok, les profondeurs de la Terre. Du groupe d'archéologues Sunao. Pharas m'a chargé de te guider jusqu'à lui lorsque tu seras arrivé. Mais il m'a fait venir à toute vitesse, je me suis tombé à court de graines Lumos. Résultat, je l'ai perdu de vue.
Oui, j'en ai. Alors. On fait de l'explo, on se balade. Il y a des chevaux là-bas. Je me balade, je vais un peu partout là. C'est un esprit. Alors, il y en a un qui me jette des trucs de loin. Luciole de l'ombre. Oh putain. Thank you.
J'ai pas mangé. Allez, c'est parti. Ok, allez. Ah, t'as déjà énormément une flèche, ça s'y verra bien plus loin. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Ah ouais, ça c'est... Mais... Je suis en train de me prendre totalement pas la bonne direction. Autant pour moi. Bon. Voilà. Des fois... On va peut-être aller retrouver la quête normale, quoi. La quête normale. Qu'est-ce que j'ai?
un peu de lumière. Ah, mais si le monde souterrain est étendu à la taille de... À la taille du monde d'Hyrule, c'est... On a fait une petite balade. Alors. Il visait cette lumière, mais il a continué son chemin. Ok. On verra après. Ah, mais il y en a d'autres! D'accord. Et elle soigne. Voilà, ok, d'accord. Et fait noir comme dans un four ici, même avec tes lunettes, je n'y vois presque rien. Alors, je vois la map en fait, c'est en train de clignoter. Et je me demande pourquoi. Non.
Sans plus. Je vois la lumière là-bas. Ok. Il y a pas mal d'endroits où ça... Mais merde! Ah ouais. Ok. Oh là, oh là, oh là. On va aller sur la lumière là-bas. C'est juste un arbre, ok. Il y a un feu ici. Ok. Allez, à chaque fois, je vais me faire éclater un plat. Et je l'ai vu, Pépé. Eh ben voilà, il est là. Alors. Ah
Ah ouais, c'est ça. Et ouais. Il y avait plein de fonctions qui n'étaient pas intéressantes. Ils ont dit, on va la remettre. Pour l'instant, c'est niveau sous, j'ai pas grand-chose. Du coup. Ah, il faut revenir jusqu'à la personne. Ah, c'est là. Il y avait un autre groupe. Ah, c'était là. Ah non, c'était là. Ouh, j'ai eu peur. Allez, on ramasse tout ce qu'on peut. Croc de Moblin. Corne de bobline. Voilà, quelques flèches, ça fait du bien. Pareil, hein, l'exploration, je laisse passer, ce sera pas en vidéo. Là, je laisse ici parce que on est dans une quête en cours.
Ah, mais... Je croyais que c'était celui qui était sous le... qui m'avait amené en dessous. Mais non. Si la taille de la zone est fait... la taille de la carte... Pff, oh là là. Ok. Peine, je travaille pour la Gazette des Bois. Exactement ce que montre le fragment cassé de la dalle de pierre. On doit continuer les fouilles. Ok. Eh ben de rien. Bon bah on va passer à la suite. Hein. Alors juste comme ça on va se faire un petit rappel. On a la recherche de Zelda. Donc là, étrange phénomène au château. Voilà, donc de toute façon, il va falloir se balader. Donc voilà. Allez, la suite au prochain épisode.